Bon la mif, j'espère que vous allez bien. Comme on est gonflé comme ça, c'est-à-dire que je viens de me réveiller, t'as capté? Au principe que je viens de me réveiller, je me suis forcé à me lever. Aujourd'hui il est très tôt, il est actuellement 7h25 à Dubaï. Pourquoi on est venu à Dubaï, j'ai envie de te dire, c'est pas pour passer des vacances, c'est la coulée douce. C'est pas pour se faire dorer le fiac au soleil, c'est pour faire du contenu. Je vais te montrer la gueule de mon petit déj. Téma. Simple, efficace, pain, bacon, thé. Tu m'as compris, on est dans le sport. Donc là je mange un petit peu léger tout ça, comme ça j'arrive à la salle, t'as vu, je suis pas embourbé, t'as capté? Là on va faire une petite séance de sport avec Lacrim, le frérot. Et voilà, faut être léger un petit peu, Lacrim il est à fond dans le rospo, tac tac, l'abdo, tout. Moi je suis pas encore à moins d'abdos, mais il faut que je fasse comme si. Vas-y à tout de suite, bye bang. C'est parti, c'est parti. En direct du véhicule, Audi RS3 pour les connaisseurs. Je vais vous montrer la couleur tout de suite. Regardez-moi ça. Analyse-moi ce bordel. Bon la mif, ça y est, on arrive à la salle de sport. Aïe 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 aïe. C'est comment, c'est comment, c'est comment? Hamdoullah, tout va bien? Tu es bien habillé aujourd'hui, hein, voilà. Merci. Propre, hein, ta. Je suis convoqué. Oh, c'est t'as séché, frère, hein. Bim Bim, c'est comment? C'est comment? Tranquillement? Coach. Des muscles partout, tata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Même son genou, les muscles, c'est une dinguerie. What the training today? Today we're gonna make the chest like a boob. Chest and triceps. Okay. Triceps? Yeah. You have a big triceps, huh? Yes. No, it's here, triceps. Huh? His triceps is here. Oh, le triceps, c'est là, là? No, his triceps is here, brother. Non, c'est là, là? Oh, c'est dur. What is this? Non, ça, c'est le coude, triceps. Frère. Ça va, on va pour l'instant. On n'a même pas encore commencé, 17. 19. Tu vois, tous les mecs qui font du sport, généralement, les bodybuilders, tout. Enfin, je sais, je me suis entraîné avec pas mal de potes. On arrive et après, on charge. 80, 90, 100, 110. Le tel concours, c'est celui qui porte le plus, qui arrive à faire au moins 3-4 répétitions. Mais nous, quand on s'entraîne avec nous, c'est pas du tout. On porte du léger, on fait beaucoup de répétitions, on fait grave attention à la mobilité du corps. C'est super important le stretching. Ouais. Et je crois qu'on fait 20 minutes de stretching avant de commencer la séance tous les jours. C'est pourquoi? C'est pour bien s'étirer tout ça, ça? Ouais, bien s'étirer, pour bien prendre, pour pas être blessé, pour pas avoir des problèmes des articulations, c'est super important. Même pareil, faire le stretching, c'est la base. C'est like a massage. It's like a massage. Breathe. Respect. Yeah. Change de main, du libre. La suite. Open your hand. Straight. Aïe. Bah alors, ça commence bien. Relax. On doit la craquer. Hands going front. La tête marrant. T'as mal ici, t'es mal. C'est le plus long possible. Wow. Breathe. Yes, breathe. Ok. Et... Breathe. Moi, comment il tremble. C'est chaud comme ça. One more time. Ok. Voilà le ressenti. Et voilà, j'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, ça tue, frère. Frérot, dis-moi, toi, t'as l'habitude de faire ça, moi, t'es très très souple. Comment c'est possible, toi? Bah, j'ai commencé comme toi. Bah, il y a à peu près un mois, j'ai repris le sport, j'avais un peu moins de mobilité. Mais tu fais tous les jours un petit peu plus. Tous les jours, tu seras un peu plus souple. Mais la première fois, c'est sûr que tu souffres. Voilà. C'est normal, c'est normal que mon état, elle est normale. C'est normal. C'est tout à fait normal. T'es très compétent. Merci, frère. Ouais, pas de quoi. Non, en vrai, c'est la vérité, frère. Et... c'est bon, hein. Ouais, c'est un truc que tu recherches à savoir. Et ça se répercussionne sur ma vie, frère. Mais ça va, tu pars pas de zéro quand même. Oh, moi j'ai commencé janvier dernier, moi sans sport, frérot. Ah ouais. Pas de sportif, rien. Je fumais à mort et je buvais à mort. Tu vois. Après, j'ai fait 3 mois avec lui. Il y a eu le confinement en France, j'étais en France. Je me suis entretenu. Je suis revenu en septembre. Et voilà, il m'a fait devenir une machine, frérot. Je comprends pas. Et là, c'est la même addiction que quand je fumais avant. Je suis addict au sport. If you want to have a mind good, you have to have a healthy body. So we also work in the mind too. You got my point. We don't work only in the body. C'est très vrai ce qu'il dit. Ça se passe dans la tête avant ailleurs. Donc là on part sur un super set. Développé couché, bam. Voilà super set, frère. T'es prêt? Développé couché, pompe, abdos. Directement. T'es au bas. Quand le coach il parle, faut l'écouter parce qu'il a raison. Le sport c'est trop important dans une vie, l'hygiène de vie, tout ça. Tous les plus que ça t'apporte, ça te met un rythme dans ta vie, un cadre. Ok, on passe au pompe direct. C'est même du tricep ça. Pompe. Je galère comme ça. C'est dur. Mais voilà, si galère comme ça, moi je vais. On verra ça tout de suite. Wesh, 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 wesh. Voilà. C'est pour le centre sous la tube. Put the knee. Put the knee in the floor. Yes. Good. 5, 4. La petite poisson. Les tambourissons sont venus la perdre. Ah bâtard, tu filmes. C'est lourd, frérot, c'est lourd, regarde. Respire. Voilà, respire. Allez, combien? 1, 2, 3, c'est bon. C'est bien, frérot. On fait une bonne séance. C'est bien, frérot. Comment? On a fait une bonne séance. J'ai juste décommencé. J'essaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, à mon tour maintenant, tête d'homme. 1, 4, 5, I'm with you, 6, push yourself, 7, push, 9, push, 10, very easy, 2 more, press, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, here, knee here, 2, touch here, 3, yes. On va toujours s'hydrater quand on fait du sport. Ah, c'est compliqué hein. C'est quoi ton vrai d'entraînement toi du coup? Le vendredi au repos. Ah ouais? 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Pour 3 mois pour que j'ai le corps dont j'ai. Les courbatures, tout ça. Ça c'est au début, après t'as plus. Il n'y a que quand tu passes des steps, après que tu travailles de plus en plus dur, t'as besoin de courbatures. Mais je fais 4 massages par semaine, des massages de 2 heures à chaque fois. Que je pousse là, tiens, je m'arrête même pas. Ah, je me suis fait mal. T'as capté ou pas? J'ai tordu les doigts. Moi je vais faire une séance cardio par contre. Là aujourd'hui, t'as pris. Ouais. Demain, c'est ton coach. Mais cardio, est-ce que tu vas assumer cardio? C'est ça, je sais pas. Cardio, c'est compliqué les frères. Je peux pas parler, je préfère faire. Parce que toi, j'ai vu des vidéos de toi qui jouent au foot. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Eh, je te parie tout ce que tu veux, hein. on parie tout ce que tu veux. Tu vois ça là, ouais. ça, tout ça là. Ouais. Soulève même pas, je fais même pas de répétitions. Tu vas faire 10. Même pas de reps. Let's go. Tu lâches pas, respire quand tu montes. Voilà, c'est bien pour vous. Encore 4. Allez, 3. Allez, 2. Allez, bien. 1. C'est trop bien, là. Là je me sens bien. Là c'est bon. Tu sais mon rêve c'est quoi? Mon rêve c'est frère d'avoir un coach comme ça moi aussi. Venir à la salle de sport, avoir un coach tout le temps. Donc s'il y a des coachs déterminés de région parisienne, secteur Val d'Europe, veuillez me contacter. Voilà il fait un bruit frère. C'est comment? C'est dur. Ah c'est dur. Ouais moi je suis cul voilà. J'ai jamais eu envie de vomir pour une séance. Je crois que je me donnais jamais à fond. Là vraiment t'as vu je suis là, je repousse mes limites. Après une bonne séance, petit milkshake protéiné, conseillé par Bim Bim. En fait je vais vous expliquer, dedans il y a de la banane, de la whey vanille, du beurre de cacahuète. Aucun gras, aucune calorie. Et franchement c'est de la bombe. J'ai posé juste quelques questions. T'as vu, j'ai réfléchi et tout, je me dis il y a des questions, faut que je te pose. Bien sûr. Toi pour toi, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que la réussite pour toi? La réussite, je pense que avec les années, hein, je pense que quand tu te réveilles le matin et que tu as le sentiment d'avoir accompli des choses bien pour toi et ta famille, ouais. Je pense qu'elle est là la réussite frérot. Ah, moi, voilà, je pense avec toi, moi, la famille c'est le plus important. Mais t'en as un exemple? Ouais, c'est vrai. Maman, si tu regardes ça, t'as capté. Maman, est-ce que t'es fier de moi? Tu peux le dire que t'es fier de moi. Je suis sûr qu'elle est fière de toi, j'en suis sûr qu'elle est fière de toi. Voilà. Et puis en plus t'es bien, t'es positif, voilà. T'es avec un bon message. Moi je l'ai pas été, moi tu connais, je suis un mec de la street. Donc t'as vu, moi c'est les gens qui ont un peu souffert qui sont reconnus à moi. Aujourd'hui, je veux dire juste avec le sport, avant même si j'ai une image, on va dire que les gens ils m'aiment bien, je suis proche du public, je filme, je bois. Dans mes paroles, des fois, j'ai pas toujours la bonne parole. Mais aujourd'hui, juste le sport, c'est un truc qui est positif. C'est nouveau pour moi, t'as vu? Et en fait, c'est ça qu'il faut transmettre. C'est des bonnes choses. Et c'est ce que tu fais tous les jours, frérot. Voilà. Et ça, c'est ça la réussite pour moi. Voilà. Comment tu repères les gens mauvais? Comment tu repères les gens mauvais? Ça, c'est après, c'est aussi avec les expériences. Parce que déjà, je suis de la vérité, je me suis fait niquer 100 fois. Ouais. Déjà, je suis un mec, en toute humilité, j'ai un assez bon cœur, je suis proche des gens. Donc, j'ai de l'empathie pour les gens vite, tu vois. Et en fait, et aussi tu t'essouffles à aider plus les personnes de l'extérieur que ta propre famille, tu vois. Et au final, ta propre famille, même quand tu fais pas pour eux, ils sont toujours reconnaissants vers toi et t'en veulent pas. Et les gens de l'extérieur, quand tu te rends compte que des fois, bah tu sais, des fois aussi, parce que j'ai 100 personnes moi m'occuper. Donc si je m'occupe pas de toi pendant 2 jours, je vois que tu vas être très méchant avec moi. Et en fait, les gens, ils ont pas de reconnaissance. Et en fait, tu vois que tu t'essouffles. C'est d'où l'expression, quand tu fais 100 fois et une fois tu fais pas pour quelqu'un, il va devenir mauvais. Donc en fait, c'est comme ça que tu t'aperçois. Et tu filtres au final. Là, je pense qu'il doit rester 5 personnes autour de toi. 5 personnes vraies. Avant j'en avais 60. Bien sûr. C'est beaucoup mieux. T'es un mec qui n'a pas cette conscience, mais aujourd'hui je me sens seul. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est de ma faute. Oh là, c'est pas de ta faute, frérot, c'est la sélection naturelle. Et d'ailleurs je suis croyant aussi, hein. Dieu fait bien les choses quand t'es bon. T'es obligé de passer par ça pour te rendre compte que demain, non, je les ai pas perdus. J'ai gagné dans ma vie, j'ai gagné du temps. Je suis avec les gens aujourd'hui qui sont positifs envers moi. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une séance avec toi, je suis content. Je me sens bien, j'ai passé une bonne journée. Ah, mais moi, je suis parce content. Que j'ai un bon mec qui est venu avec moi. J'ai moi je suis content. Ma mère. Voilà. C'est quoi les signes pour toi qui ont ouvert que tu vas reconnaître un trait dans ton entourage? Après je te demande pas, c'est aussi au feeling, frérot. Je te demande pas, c'est au feeling, c'est un peu un instinct. Et après c'est l'expérience que tu as eu de mal avec tous les autres. Et t'as vu, t'as des différentes caractéristiques que tu les reconnais. Et voilà, bah, je te vois aujourd'hui, bon, je fais sentir que tu as ces caractéristiques là. Il y a aussi le serrage de main, ce que tu as dans les yeux. Ouais. Ah, je me dis, frérot, t'as vu, je vais pas aller plus loin que ça. De ouf. Et on parlait de ça tout à l'heure, Roland, plus dès le début, ça. Peut-être t'as même des gens aujourd'hui que tu connais pas qui vont venir te voir et toi tu vas avoir des réflexes et à la fin ils vont te dire, c'est bon, le mec. Il est là, il est trop sur la défensive, il est trop sur la méfiance. Mais c'est pas que tu sors d'expérience, poto. C'est vrai. Voilà, aujourd'hui tu te protèges toi. Donc après, c'est toutes ces choses-là. Moi, voilà, aujourd'hui je t'ai vu, frérot, j'ai les mains derrière le dos, j'ai aucune. Tu vois, voilà, ça se sent. Voilà. Et Galo, pareil, frérot. Non, voilà. Galo, c'est vrai que c'est un bon. Galo, voilà que c'est un bon. Mais c'est pareil, regarde, je voulais te dire. T'as vu, c'est rien à voir, mais t'as vu, il y a Oumar, Chameau. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui on est là ensemble, tu vois. Mais encore une fois, c'est des bonnes personnes qui m'ont ramené de bonnes personnes. Exactement. Ce truc-là, à la base, c'est des mauvaises personnes qui me ramènent des mauvaises personnes, frérot. Ouais, tiens, je te présente un pote à moi, il veut te voir, il t'aime bien. Le mec, il va me truc, un rendez-vous, il va me ramener 4 personnes. Frérot, je me retrouve. Et au final, le mec qui m'aimait bien là, il est même plus là. J'ai eu 3 mois de problème et je le revois 3 mois après, il me dit, mais tout ça, c'est à cause de toi, tu vois. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, regarde. Merci en tout cas. Merci à toi. Voilà, cercle vertueux, cercle vicieux. Exactement, c'est ça. Et dernière chose, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui cherchent la réussite? Déjà, ce qui est simple, c'est qu'on a beaucoup de choses dans la tête. Il faut commencer à vider son esprit. C'est pour ça que quand je fais du sport, frérot, quand je choque, j'ai l'esprit, il est vide. C'est vide. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, et je vais le faire. Tu vois? Alors que quand j'ai pas la pensée de penser à moi, à mon corps d'avant, frérot, j'ai trop d'étapes. Je dois faire ça, mais j'ai ça avant. Ah ouais, mais attends, il y a un problème, je dois faire ça avant. Au final, je fais rien. J'ai trop d'impasse. J'ai trop de bâtons dans les roues. Donc, frérot, je pense que ça part de là. Croyance, spiritualité, être simple, faire du sport, s'occuper de soi. Et voilà, après, t'es là, par contre, la vie, t'es fort pour le faire. Je pense, hein, frérot. Je pense. Et t'as vu, bien s'entourer, c'est la clé, frérot. Que des vérités. Hein. Et travailler. Que des vérités. Voilà, frérot. Que des vérités. Je pense qu'on peut rien dire de plus. Qu'est-ce que tu vas rajouter? Merci. Voilà, t'es un bon frérot. Merci, frérot. Merci, frérot. C'est bien quand même des petits rappels comme ça, t'as capté ou pas? Voilà. C'est bien ce que tu fais, voilà, c'est bien. Ah, merci, frère, hein. Franchement.